Salut tout le monde, c'est Arito, on se retrouve pour la live action du chapitre 97 de Eden Zero et je suis hypé de fou. En plus, on va bientôt avoir une annonce sur le manga, de fortes chances, 95% de chances que ce soit l'animé. Je suis hypé, vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo si jamais ça arrive. On va attaquer ce chapitre, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero parce que cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, on y va, let's go. Bon, a priori, là déjà, on a fini avec les fameuses pages cover où on avait un petit peu un dossier sur les personnages, leurs compétences, tout ça. Donc là, chapitre 97, c'est maintenant. Et on a une magnifique page cover avec Rebecca en mode princesse, qui est juste magnifique. Donc voilà, elle est super belle, avec la tenue et tout. Donc très très sympa, la page cover, franchement, j'adore, elle est super. Ok, c'est parti, on avait Dragon Joe qui s'était transformé en monstre. C'est quoi ce truc? Un monstre? Dragon Joe qui est en train de péter un câble. Je crois qu'il a perdu le contrôle. Oh my god, qu'est-ce qu'il fait? Ouh, attends, il y a le sol qui est en train de trembler. Qu'est-ce que... Ah non, il attaque avec ses sortes de tentacules un peu partout. Qu'est-ce qui se passe? Attends, il y a tout qui est en train de s'effondrer. Il y a le bâtiment qui est en train d'être détruit par Dragon Joe. On voit des tentacules, on dirait une sorte de poulpe géant qui est en train de détruire le bâtiment. Armit, tu as une explication? Son éther s'est déstabilisé. Dragon était censé s'affaiblir, non? Oui, et c'est le cas. Mais je n'avais pas prévu ça. Oh my god. Le Belial Goa est équipé de multiples petits capteurs qui aspire à la force vitale des gens. Après, quand j'en ai inversé le flux, l'énergie vitale et l'éther de Draken se sont étrangement mélangés. Et en gros, ça ne sent pas bon, hein. Oui, si tu as compris ça, évite de t'agiter inutilement. Eden Zero, décollage d'urgence. Hé, la sorcière, tu veux abandonner Shiki et les autres? Non, mais un deuxième problème se présente, et c'est à nous de le régler. Quoi? D'où vient cette émission d'énergie? Satellite Blaze? L'arme de destruction que Draken a volée à la Dame Écarlate? Mais attends, qu'est-ce que le satellite vient faire maintenant dans cette histoire? Et quel rapport avec Draken Joe? Enfin, on sait que c'est lui qui l'avait volé, mais pourquoi il s'active maintenant? Attends, on va voir ça, j'ai trop envie de savoir. Ça va être des trucs de malade là. C'est nous qu'il vise? Non, d'après l'angle de tir, alimentation annexe enclenchée, relancer tout le système, tout de suite le système. Ah, mais Satellite Blaze a été activé? Comment ça se fait? Je vais tuer cet enfoiré de noix. Allez, feu! Oh my god, mais c'est quoi, patron? Et je veux aussi vos vies. Oh my god, il est en train de tuer tout le monde. Il est en train de buter tout le monde. Il vise Blue Garden. Et la puissance de feu détectée est suffisante pour détruire une planète entière. Et c'est à nous de l'empêcher, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On fait d'autres? On fait des autres? Pas le choix, on doit faire confiance au pouvoir du grand démon. Mais c'est quoi ce chapitre de malade? C'est vraiment un truc à deux fronts, ça devient fou. Ça devient complètement fou. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout s'écroule, fuyons. Tiens, où est Jean? Ah oui, donc il est parti. Oh! Oh! Attention! On a donc Pino qui allait se prendre un rocher. On a Sibyl qui est intervenue, qui l'a sauvé. J'ai peur qu'il soit pris un rocher sur la jambe. Bien joué, papy! Sibyl! Et lui, Moussoko, par contre, il se l'est pris en pleine face. Ah, ça va, petite? Ah là là, j'ignore pourquoi. Mais on dirait que tu ne m'aimes pas trop. Ah, non, mais le genre à venir à mon secours quand j'en avais besoin. Yes, 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 c'est Sibyl qui a sauvé Pino après tout ce qui s'est passé, c'est trop bien. Recherche d'anomalie mémorielle. Mot prononcé par Wise et non enregistré. Attends, là c'est pas des trucs qui ont été dits dans le monde numéro 29, alors j'ai un doute là-dessus. Il me semble, je suis pas sûr, c'est peut-être ce que Wise avait dit dans le monde numéro 29. Il ne faut pas traîner ici, merci. Ah, ça c'est cool. Il faut certainement que j'analyse mes circuits mémoriels plus tard. Ok, donc est-ce que... Pino serait le lien entre le futur et le passé. C'est quoi ça? Rebecca! Happy qui s'est fait choper. Happy! Aïe, 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 aïe. Je t'ai trouvé, numéro 30, cette voix. C'est Draken, il a chopé Rebecca. Je veux tout ton pouvoir, tout de suite. Donne-le-moi, donne! Oh là là, il va absorber le Cat Leaper. Et on a Omura qui intervient. Omura, d'où sort ce monstre dégoûtant? Je suis Draken Joe, donne! Je suis Undead. Donnez-moi vos vies, donnez-moi vos forces. Donnez-moi tout! Il est en train de péter un câble, il est flippant. C'est Draken, moi, j'absorbe la vie de tous les hommes pour survivre. Oh my god, alors laissez-moi tranquille. Et il attaque de partout, il est en train de tout, mais tout démonter. Le sol se dérobe. Donc là, on a tout qui est en train d'exploser, le sol qui est en train de se faire défoncer. Donc on a Wise et Shiki qui sont expulsés. Oh my god, ils sont pris une attaque de Draken Joe en pleine face. Les deux sont à terre. Je veux vos vies, vos forces. Non, je vais vous tuer. Donnez-moi vos vies. Oh my god, ils sont dans un état, il a perdu conscience. Ouch! Oh, c'est Wise et Shiki, ils viennent de se faire démonter. Wise! Oh là, les deux viennent se prendre un coup de tentacule, ils ont pris cher. Hein. Je vais vous tuer, survivre. Donnez vos vies pour moi. Grrr. Oh là là, je me sens lourd. D'après Noah,
tu es la clé du 4. Et si je te tue, le 4 s'éveillera. Le 4 est pour moi. Oh, il matérialise un flingue. Non, est-ce qu'on va revivre cette fameuse scène? Oh non, Shiki, donne-moi tes forces. Oh, il est en train d'absorber Rebecca. Wise, il est à terre. Omura s'est fait avoir aussi. Rebecca, je vais vous tuer. Et il pointe le flingue sur la tête de Shiki comme dans le monde numéro 29. Je jure qu'un jour, je te vaincrai et je deviendrai ton ami. Toi qui n'en as aucun, la fameuse phrase du chapitre, je crois, 83 ou 84. Hein. Oh, Shiki, donc, qui a aussi eu une vision de ce qui s'est réellement passé. La balle est tirée. On a la vision de tout le monde, de tout ce qui s'est passé dans le monde numéro 30. La balle s'est arrêtée. Un jour, non. Ce fameux jour, c'est maintenant. Avec la gravité, il a réussi cette fois à arrêter la balle. Chose qu'il n'avait pas réussi à faire. Oula, oula, oula. J'en ai plus cassé. Oh 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 oh. Qu'on fasse pleurer, mes amis. Oh, oh my god. Oh my god. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Mon dieu, mon dieu. Incroyable. C'est excellent. C'est incroyable. Bon, voilà, le chapitre était excellent. Encore une fois, likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero. Cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur ce chapitre monstrueux. La nouvelle forme de Shiki est incroyable. Et ce qui s'est produit dans le monde numéro 29 ne s'est pas produit dans ce monde-là, parce que Shiki s'est éveillé à son véritable pouvoir. Tout simplement, c'est oufissime. Je vous dis du coup à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.